Pour accueillir quelqu'un, on dit entrez, je vous en prie. Entrez, je vous en prie. Je peux prendre votre manteau. Je peux prendre votre manteau. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis content de te voir. Assieds-toi. Je suis content de te voir. Assieds-toi. Je t'en prie. Je t'en prie. Ou on peut dire tout simplement « Bienvenue » ou « Vous êtes le bienvenu ». Maintenant, demandez ou remerciez. Pardon, madame, vous pouvez me dire où est la poste, s'il vous plaît? Pardon, madame, vous pouvez me dire où est la poste, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est au bout de la rue, à droite. Oui, monsieur, c'est au bout de la rue, à droite. Je vous remercie, madame. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Tu peux me prêter 5 euros, s'il te plaît? Tu peux me prêter 5 euros, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ou merci énormément. Ou merci infiniment. Merci beaucoup. Merci énormément. Ou merci infiniment. De rien. De rien. Maintenant, souhaiter. Pour souhaiter, on peut dire bonne journée, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, ou juste avant de dormir, on peut dire bonne nuit, dors bien, bonne nuit, dors bien, ou dormez bien. Bon week-end, bon week-end. Avant les vacances, on dit bonnes vacances. Repose-toi bien, ou bien reposez-vous bien. Bonnes vacances, repose-toi bien, ou reposez-vous bien. Avant un voyage, on dit bon voyage, bon voyage. Bonne route, bonne route. Avant de manger, on dit bon appétit, bon appétit. Pour un anniversaire, on peut dire bon anniversaire, joyeux anniversaire, et il y en a beaucoup d'autres formules de politesse qui peuvent remplacer ces deux mots. Avant un examen, on peut dire bonne chance, bonne chance. À partir du 1er janvier, on peut dire bonne année, tous mes vœux. Bonne année, tous mes vœux. Maintenant, on va voir quelques usages pour montrer sa politesse. Traditionnellement, les femmes ont la priorité. Un homme ouvre la porte à une dame et la laisse passer. Un enfant fait la même chose. Dans le bus, par exemple, ou bien le train, le métro, on laisse sa place à une personne âgée. On peut dire « Madame, monsieur, vous voulez vous asseoir ?» Ou plus simplement, je vous en prie, madame, ou bien je vous en prie, monsieur. Quand on est invité à dîner chez une personne, on apporte un petit cadeau, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, etc. Au moment de l'invitation, on peut demander, qu'est-ce que je peux apporter? Si l'invitation est à 20h, par exemple, la politesse demande qu'on arrive environ 10 minutes plus tard. On peut, par exemple, envoyer un cadeau à quelqu'un par poste. Fin décembre ou début janvier, on envoie des cartes de vœux aux personnes qu'on aime bien et qu'on connaît bien. Et il est plus personnel de les écrire à la main.